Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour cette nouvelle édition du journal. On commence avec cette information. Le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé officiellement sa campagne électorale au terrain Sainte-Thérèse en Djili devant une foule immense. Ainsi, dans son discours, le candidat à sa propre succession a promis de déclarer la guerre, de réunir les deux chambres du Parlement en congrès afin de déclarer la guerre contre le Rwanda. Je vous propose de suivre l'extrait de son discours. Bisonde tobando kanisa ba congolais, tozana bolingo ya mboka na biso, po tozana sika to rokende te soki batie biso mobulu awa. Bango bazana ba nationalité bebo. Bazana bisika koki mabebo. Moto akosa bino te banakin. Bino nde boza mwinda ya République démocratique du Congo. Kasi bokeba. Bokeba. Balingi bakabola biso banako. Balingi bakabola Congo ndambo ndambo. Balingi bapesa eteni ya Congo na Rwanda. Nazako lobana bino polele po bino nde moto bolingaki nazala awa. Bino moto botie ngai mokonzi. Yango nazali ko kebisa bino. Po na position o nazali nazako mona. Bokeba na likambo wana. Mengai pe nakolembete. Boyebi ngai. Otie libaya na tie yangai. Lelo matanga ekomi ebele na Rwanda. Matanga eza tellement ebele ke bakomi kopekisa ba famille ya basoda na bango balela bandeko na bango. Po bayaki kosaka na bakanisaki ke Kongo eza kaka ndenge ya kala, ndenge bazalaki balingi bagogola bagogoli, balingi bazwa goma bazwi goma. Lelo basuki. Et puis nazali koloba na bino boye. Nazozwa bino batemoin. Bino souverain primaire, pe nazali koloba yango mokili mobimbe ezali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesa ngai autorisation na deklare guerre na Rwanda. Boyoki yango, na lobi boye po na oya yoki te. Lisasi ya liboso, banyangalakata wana bako beta na Congo. To mboka ya liboso bako kosa na liboma o bazui yango. Na kosangisa parlement en congrès. Po loi constitution eza kopesa ngai droit wana. Na sangisi bango en congrès. Na sengi bango autorisation na banda bitumba na Rwanda. Et puis nazali koloba na bino bobanga eloko moko te congolais. Mapinga na biso lelo ezali na makoki nyonso. A partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, me asakana na fati beton te mokengeli ya bakongole. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a au cours d'une interview accordée à nos confrères de Top Congo, alerté l'ensemble de la population congolaise du plan macabre concocté par l'un des candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain, à savoir Moïse Katumbi, et une organisation russe en vue de pirater le résultat des élections. Ainsi, Jean-Pierre Bemba Gombo invite le Congolais à se mobiliser pour faire échec à ses plans visant à déstabiliser le pays. Maxime Akabo a choisi pour vous cet extrait. Je pense que vous avez une personne qui a des ambitions, comme je le dis, qui dépassent, je pense, tout entendement. Ce n'est pas de la démocratie qu'il est en train de faire. Je parle maintenant en tant que ministre de la Défense. J'ai, bien sûr, comme vous savez, ce qu'on appelle des renseignements sous l'administration du ministère de la Défense.
Je vais vous dire ceci et je préviens la population de ce qui est en train, monsieur, de préparer. Monsieur le sait très très bien. Il le sait. Au moins ça, on peut lui donner, c'est qu'il est lucide. Il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Il ne peut pas gagner les élections parce qu'il ne peut pas tromper un peuple tout le temps et à tout moment. Et le peuple a très bien compris que ce monsieur est l'agent du Rwanda. Pourquoi ? Le monsieur est son plus proche collaborateur, conseiller spécial, qui est aux arrêts. Nous avons découvert, lors de son arrestation, tous les contacts qu'il avait quotidiennement avec le M23. Est-ce que ce monsieur-là que nous parlons, veux-tu dire qu'il n'était pas au courant de ça ? Ce monsieur, je vais vous dire, il y a 3 mois exactement, à travers les renseignements, nous recevons des renseignements au niveau de la Russie. Suivez-moi bien. Ce que ce monsieur se prépare à faire, lui qui prône toujours la paix, sa chrétienté, il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent, parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons, je ne donnerai pas les noms ici, je connais les noms de ces personnes qui le financent, et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site. Il a demandé à cette organisation, et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation, qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qui leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça. Et ils vont pouvoir dire, voilà les vrais résultats. Je dis attention. À la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus, comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats? Parce que maintenant, je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça, si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre l'application, ils ne réussiront pas non plus, de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur, qu'il fasse attention au retour de flamme. On ne le laissera pas détruire pour ses ambitions personnelle, mafieuse, prendre et déstabiliser ce pays. Nous utiliserons la force publique pour rétablir l'ordre s'il essayait de mettre le feu dans le pays. Vos accusations sont graves et à ce stade, vous dites que vous avez des éléments, sont toujours sans suite et conséquence? Eh bien, écoutez, n'eût été la qualité de démocrate du président de la République. Il y a certaines personnes qui devraient déjà répondre de ces faits. Et on poursuit cette édition de journal et on continue surtout de parler processus électoral. L'ancien chef de l'État de la transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, à la tête d'une délégation du centre Carter, investie d'une mission internationale d'observation électorale, a échangé avec le président de la CENI, Denis Kadima. Gisèle. Je co-dirige la mission internationale d'observation électorale du centre Carter. Donc, nous sommes arrivés dans la capitale congolaise depuis quelques jours. Il était important, nécessaire, de nous rapprocher du président de la CENI pour avoir des informations sur l'état d'avancement du processus électoral et surtout savoir quels sont les principaux défis qui se posent encore
à la CENI pour que ce processus puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Il m'a rassuré sur l'inclusivité du processus qu'il a voulu. Il nous a également donné un certain nombre d'informations sur le déploiement du matériel lourd, du matériel sensible et des efforts qui sont fournis pour que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et on parle campagne électorale qui se clôture déjà aujourd'hui. Les candidats numéro 731 à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Founa et 181 au provincial Kalamu. Cédric Nguindou a clôturé sa campagne électorale ce lundi 18 décembre 2023 au stadium de l'IMCA situé dans la commune de Kalamu. Cédric Nguindou a appelé à ses différentes bases à opérer un choix utile et de l'excellence en votant le numéro 20 à la présidentielle, le numéro 731 à Founa et 181 provincial à Kalamu. Le pont avec Maxime Akabou. Les stadiums de l'IMCA situés au quartier Matongi dans la commune de Kalamu étaient en ébullition ce lundi 18 décembre à l'occasion de la clôture de la campagne électorale. Candidat numéro 731 à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Founa et 181 à provincial dans la commune de Kalamu, Cédric Nguindou, l'homme choisi par Dieu pour servir avec toute humilité la population de Founa. Ce leader naturel, dont la popularité n'est plus à démontrer, a tenu à remercier de vive voix ses différentes bases disséminées à travers la capitale Kinshasa pour leur accompagnement et soutien pendant cette période de campagne. Cédric Nguindou, ses futurs représentants de la population de la Founa à l'Assemblée nationale, l'un des lieutenants de première heure du chairman Jean-Pierre Bemba, d'appeler la population des Kalamu en particulier et celle de la Founa en général d'opérer le choix de l'excellence en votant le numéro 731 Founa et 181 à Kalamu. Ami Palais Aboye, Palobi, Soki Naleki, Ndenge na koleka wana esengeli na cha un tiers ya salaire na ngai na charge sociale solidarité ya circonscription na biso na lobby un tiers devant Nzambe na zawa na lapi kasi un tiers wana na kokabola ngo na nzela te esengeli yango nde soutenir ba mombongo progressivement bongo il faut ko tia ba projet moko eza sérieux. Le développement de la Founa a un nom, à savoir Cédric Nguindou, numéro 731 et 181 à Kalamu, un ticket de la victoire. 731, Cédric Nguindou. Il a également clôturé sa campagne électorale ce lundi 18 décembre 2023. Il s'agit donc de Romain Pongo Makese, candidat du MLC numéro 728 à la députation nationale des Founa. C'était à travers une caravane motorisée où son équipe des campagnes et lui ont sillonné plusieurs communes que régorge ce district de la Founa. Maxime Akab. Romain Pongo Makese, candidat député national du mouvement de libération du Congo numéro 728 au district de la Founa, a procédé ce lundi à la clôture de sa campagne électorale à travers une caravane motorisée avec comme point de départ la direction Asosa. Les membres de son équipe de campagne et lui ont sillonné plusieurs communes de la Founa, à savoir Ngiringiri, Bumbu, Kasavubu, une façon pour lui d'inviter la population de la circonscription électorale de la Founa de voter massivement en sa faveur. Le numéro 728 de la Founa pour les comptes du MLC, Romain Pongo Makese, n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. La campagne d'aujourd'hui, c'est une journée finale de notre campagne électorale en tant que candidat.
Alors nous nous sommes battus pour que nous puissions faire la campagne pour pouvoir être visibles au niveau de la population et que la population devait nous voir, devait savoir qui il devait voter. Nous ne devons pas rester dans nos maisons, mais nous avons eu cette initiative de pouvoir sillonner. La circonscription de la Founan pour qu'on soit touché. Alors cette journée, c'est une journée dans laquelle nous allons nous présenter officiellement et définitivement devant cette population pour qu'ils puissent voter. Et je demande à toute la population de la Founan, vous avez votre candidat, Mathieu Sekongo Romain, le numéro 721. Vous avez l'unique numéro que vous devez voter pour que les choses puissent changer au niveau du Cameroun. Donc, c'est ça, le bon qui veut paix, dit-on. C'est dans ce cadre que Romain Pongo Makese, candidat député national du MLC à la Founan, se sent déjà victorieux dans cette course électorale. Les candidats numéro 96 à la députation nationale à Lukunga, Marc Kilenge Toko, a clôturé lui aussi sa campagne électorale. Ainsi a-t-il communié avec les femmes des quelques quartiers de la commune de Mongafunga, qui lui rassure de leur suffrage le 20 décembre prochain. Tout est bien qui finit bien. C'est en toute beauté, avec une assurance totale du vote en sa faveur par sa base, avec qui il a toujours été fidèle, que le candidat député national numéro 496 à Lukunga, Marc Kilenge Toko, a clôturé sa campagne électorale. Au dernier jour, celui qu'on appelle affectueusement la locomotive de Lukunga était à la rencontre des mamans, celles qui donnent vie. Les mamans du quartier Tierkani étaient les premières à recevoir la visite de Marc Kilenge Toko, candidat député national numéro 496 à Lukunga. Leurs échanges ont porté sur le vote utile, opérer un bon choix, qui est le numéro 496 à Lukunga, Marc Kilenge Toko. L'homme plein de générosité qui promet de ramener leur désirata au perchoir de l'Assemblée nationale une fois élu, a offert à ses mamans qui lui portent à cœur des pannes, aussi des chaises en plastique. Après Tierkani, cap vers le quartier Kindele, à l'église Sebko, où Marc Kilenge Toko s'est soumis à un même exercice. Voter le numéro 496 à Lukunga, tels les messages lancés aux mamans réunies. Des mamans qui ont tous reçu des pagnes. Un autre quartier de la commune de Mongafula visité par Marc Kilenge Toko, c'est le quartier Kogelos. Comme partout où il a communié avec les mamans, il a sollicité leur suffrage. Des mamans qui voient en lui un véritable interlocuteur lui rassurent du vote en sa faveur le 20 décembre 2023. Hormis les mamans, Marc Kilenge Toko a offert des instruments de musique à un orchestre de la place, le groupe Massi. Motif de satisfaction pour les musiciens. La dernière journée des campagnes électorales de Marc Kilenge Toko s'est clôturée au terrain Biti, toujours dans la commune de Mongafula, où le numéro 496 à Lukunga a pris part à la finale du tournoi de football opposant l'équipe du quartier Mbiti à celle de Nzengi. Score final, 1-0 en faveur de l'équipe du quartier Nzengi. Et Marc Kilenge Toko d'offrir en guise de récompense des enveloppes aux vainqueurs, aussi aux participants du tournoi, à la grande satisfaction de tous. Partout où il est passé, Marc Kilenge Toko, candidat numéro 496 à Lukunga, a convaincu et reçu l'assurance du vote en sa faveur de ses électeurs le 20 décembre. <t'->
Le candidat député national de Moamba Bokumwanga Junior, numéro 617 et provincial de Limité 229, Pati Malanga, tous deux du Funa, ont clôturé leur campagne électorale par une caravane motorisée qui a drainé une foule nombreuse des habitants de ces coins n'ont pas manqué de les accompagner. Je vous propose de suivre cet élément de Junior Vola. Le week-end dernier était riche en couleurs, marqué par la caravane motorisée du candidat député provincial de la circonscription électorale de Limité numéro 1029. Le point de départ de cette caravane était sa résidence située sur Poids Lourd dans la commune de Limité, avec comme point de chute le quartier Montbélé. Il était accompagné d'une foule immense venue lui témoigner un soutien indéfectible. Occasion pour le numéro 1029 au niveau provincial de Limité, Pati Louvanga, et numéro 617 au niveau national des Moamba Bokumwanga Junior de recommander à la population de porter son choix au numéro 20 à la présidentielle. Félix Antoine Tshisekedi. Si tu as besoin de changement à la commune alimentaire, voilà ta conscience à voter Pati Malanga. Numéro 229. Numéro combien ? 229. Saisissant cette occasion, c'est des candidats accompagnés de membres de l'ONG et des Bokumwanga Élysée ont procédé à la distribution des bassins aux femmes du marché Wenzéambila, puis ont visité l'orphelinat Les Cris des Faibles, situé sur l'avenue Kinzenga, dans la commune de Limété. Fin c'est lundi 18 décembre 2023 à minuit de la campagne électorale pour la présidentielle législative ainsi que le municipal prévu le 20 décembre prochain, donc le mercredi. Alors, cette grande question qui taraude les esprits, comment les Kinois ont perçu le déroulement de ces campagnes électorales? Junior Volafaye Annette a entendu le micro à quelques Kinois. Regarde. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a été surpris de voir cette campagne différente des autres. Mais sinon, ça a été. Bon, être satisfait ou ne pas satisfait, cela n'est pas mon problème, mais celui qui a les ambitions de satisfaire ou de répondre aux conditions, aux problèmes socio-économiques qui se posent pour les Congolais, je crois que c'est celui-là qui s'est présenté ou ce sont ceux-là qui se sont présentés. En fait, dans l'ensemble, cette campagne s'est bien passée, dans l'ensemble. Mais il y avait des foyers de tension de part de candidats, de faire des tensions, et surtout la majorité, ce sont des anciens députés ou sénateurs qui avaient des bandes organisées pour un peu mettre du désordre, tout ça, mais dans l'ensemble, c'est bien passé parce qu'on n'a pas déploré beaucoup de monde comme était autrefois, ou le fois passé en 2018 et en 2006. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Nous avons vu les présidents qui était sur terrain, la majorité n'était pas sur terrain, on a constaté qu'il y avait trois. C'est lui le numéro 3, c'est lui le numéro 21, et c'est lui qui a clôturé vraiment, qui a fait toute la province, le numéro 20. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Non, en tout cas, pour la vérité, pas grand avec les moyens qu'on a avec. Vous vous défendrez, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans la main. Pour voter,
et on continue le processus électoral en République démocratique du Congo. Les présidents de l'Union de Républicains Norbert Luyé s'est dit contre un quelconque report des élections. La seule issue pour la crise en RDC est donc la mise en œuvre de l'accord cadre de Addis Abeba. Yves Lechon. Ce que m'a prononcé, président de la République. Pour le président de l'Union des Républicains, nulle part et aucun article de la Constitution prévoit, au cas où les élections ne sont pas organisées dans le délai constitutionnel, il faut qu'il y ait un report technique d'un jour, de deux mois ou plus, pour corriger les erreurs. En croire Norbert Luyeye, la seule issue, c'est la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous êtes témoin comment nous sommes bâtis en vue de résoudre le conflit qui fait face à notre pays, et nous avons fait de l'accord cadre d'Addis Abeba notre cheval de bataille pour résoudre ce conflit. Un combat qui s'ajoute aux efforts de la communauté internationale, de son appui aux organisations régionales pour l'application du processus de paix de Nairobi et de Luanda, dont la conclusion se trouve dans la tenue du dialogue politique de l'accord cadre d'Addis Abeba de toutes les parties prenantes congolaises au conflit. Nulle part et aucun article de la Constitution prévoit, au cas où les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, il faut qu'il y ait un report technique d'un jour, de deux mois ou plus pour corriger les erreurs. Alors, pendant ce temps, que deviendra la fin des mandats des dirigeants issus des institutions en place? Au nom de la réconciliation nationale, nous sommes d'accord pour le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba avec eux. Mais, pas question de partage de pouvoir et une transition. Et on continue, on parle également autre chose, célébration du 18 décembre 2023 de la journée internationale des migrants, thème retenu pour cette année 2023, agir aujourd'hui. En effet, cette journée est une occasion de réfléchir sur les phénomènes migratoires, un sujet brûlant qui ne cesse d'évoluer et de se complexifier au fil donc des années. Voilà même l'essence de ces papiers. Suivez. La migration est un phénomène aux facettes multiples. Elle peut être volontaire ou forcée, régulière ou irrégulière. Les causes de la migration sont variées et souvent entrelacées. La pauvreté, l'instabilité politique, les conflits armés, les violations de droits de l'homme et les catastrophes naturelles en sont des exemples frappants. De plus, l'impact du changement climatique qui entraîne des conditions météorologiques extrêmes à la dégradation de l'environnement émerge comme un facteur de plus en plus préoccupant, poussant des populations entières à se déplacer. Les migrations ont des répercussions profondes tant pour les pays d'origine que pour le pays d'accueil. Pour le premier, la fuite de cerveau et la perte de main-d'œuvre peuvent représenter des défis significatifs. Cependant, les transferts de fonds des migrants vers leur pays d'origine constituent une source importante des revenus et peuvent contribuer de manière significative au développement économique. Pour les pays d'accueil, les migrants apportent souvent une contribution économique et culturelle essentielle, bien que leur intégration puisse présenter des défis, notamment en matière de cohésion sociale et de gestion des ressources. La Journée internationale des migrants, célébrée le 18 décembre chaque année, est une occasion de réaffirmer et de promouvoir les droits des migrants, une occasion cruciale de réfléchir sur le phénomène migratoire, un sujet brûlant qui ne cesse d'évoluer et de se complexifier au fil des années. Cette journée a été instaurée par les Nations Unies en 2000, vise à sensibiliser le public à la situation des migrants et à promouvoir leurs droits. En société, le tronçon routier compris entre l'avenue Roi Kadingui et Dimarchel, dont la commune de Gombe est en train de connaître un coup de balai. Les travaux de sa réhabilitation et l'œuvre d'un particulier qui vont répondre ainsi aux besoins le plus fondamental de la population de ces coins qui avaient du mal à se déplacer d'un coin à un autre. Je vous propose de suivre cet élément signé Benita Botangi, les Avériennes Zaméa. Resté plusieurs mois abandonné,
Les tronçons routiers compris entre les avenues Roi-Kading et du marché sur Kassai dans la commune de la Gombe est en pleine réhabilitation à l'initiative d'un particulier qui vient répondre aux besoins les plus pressants de la population de ces coins de la capitale qui attendait avec impatience la réhabilitation de cet acteur dont l'état d'impraticabilité ne permettait pas non seulement aux véhicules de rouler, mais aussi les usagers de cette route éprouvaient d'énormes difficultés pour se déplacer d'un coin à l'autre, d'où la satisfaction de la population environnante. Ainsi donc, s'achève cette édition de journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis de partout.